Je suis Florent Collin, directeur technique de l'association Néovent. Je vais vous présenter nos activités et notre structure. Donc Néovent, c'est deux types d'activités. Les activités voile, donc on va avoir de la voile tout le samedi avec des adultes, avec des enfants. On va avoir des stages de voile pendant les petites vacances scolaires et pendant les grandes vacances scolaires. À côté de ça, on a une partie accueil de loisirs. Donc on accueille des enfants toute la journée, toute l'année, le mercredi. Les activités, là, vont plus être de pleine nature. C'est-à-dire on va avoir des activités terrestres, courses d'orientation, golf, escalade, des choses de genre. Et on va avoir aussi une partie activité nautique. Donc du canoë, du kayak, du paddle et bien sûr un peu de voile également. Et de la même manière, on va proposer ces stages pleine nature pendant les petites vacances scolaires et les grandes vacances scolaires. La chance qu'on a, c'est de profiter d'un plan d'eau quand même vraiment sympa. Ensuite, tous les abords du plan d'eau sont aménagés. Donc on a beaucoup de promeneurs. Il y a une zone de baignade de l'autre côté du plan d'eau qui est surveillée par des maîtres nageurs. Il faut dire que ça attire pas mal les gens suite au Covid et au confinement. Et c'est déjà notre force d'habitude, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. On prépare des petites nouveautés pour la rentrée. On vient de recevoir deux bateaux collectifs qu'on appelle des laser baya. Ces bateaux, on peut monter à 5 voire 6 personnes dedans. L'idée, c'est de proposer une nouvelle formule où on va proposer des séances sur le plan d'eau pour s'entraîner et s'habituer au bateau. Et on va clôturer ces mini-stages par un week-end en mer avec une navigation en bord de mer.